Dans le cadre de la 10e édition Lire en fête, partout en Moselle, placée sous le signe des héros d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le conseil départemental propose, à titre expérimental, un travail spécifique autour de la marionnette sous la forme d'un atelier avec la compagnie Les Green Ginger. Créée en 1978 en Grande-Bretagne, la compagnie est depuis 2009 basée également en France, dans la Meuse. Elle réalise du théâtre de marionnettes, mais aussi des films avec ses drôles de personnages. Atelier donc avec cette compagnie, samedi 1er octobre à la médiathèque Georges Brassens. Mais pourquoi choisir la marionnette comme cœur de l'atelier ? Marionnette, pour beaucoup de... c'est neutre. Les gens peuvent parler de la vie imaginaire vers la marionnette. Souvent, ils parlent des choses qui sont dans leur tête, mais c'est un certain sauvetage avec une marionnette qui est sans genre, sans attitude. C'est pour eux donner l'intention, la personnalité, quoi. Gratuite et ouverte aux adolescents, cette séance a fait appel aux différentes techniques utilisées pour donner vie à l'inanimé. Clarité. Je veux clarité d'action. Parce que les marionnettes ne sont pas doux. Ils adorent ou détestent choses. Ils ne sont pas neutres. Et sinon, c'est exagération. Grâce à des jeux théâtraux et d'improvisation, les participants ont pu explorer la manipulation d'objets, la posture, la gestuelle, les jeux de rôle, l'attention et la coordination. Une expérience extraordinaire en compagnie de professionnels de la marionnette.